héritage abana Eza kombwa Yesu Héritage abana Eza likombwa Yesu Les dernières paroles du pasteur. Je crois que c'était un mercredi. Hein? C'était un mercredi. Je ne sais pas si la technique est bonne. Même si je voyage, restez avec ce que moi je dis. Notre héritage. Qu'est-ce que Beka a dit? Beka nous a laissé un pasteur. Parmi ces enfants-là, il y a un pasteur. C'est notre héritage. Qu'on ne vous trompe pas. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne dites pas. Comme Beka est parti. Moi je me retire. On va te trouver suspect. Moi, moi j'ai eu ma part, c'est fini. Faites attention. Vous risquez de récolter le vent. Que notre maman soit en paix. N'allez pas troubler notre maman. Elle... Qu'est-ce que Beka a dit? Beka nous a laissé un pasteur. Parmi ces enfants-là, il y a un pasteur. C'est notre héritage. Dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Parce que moi, je vous aime. Infiniment. Moi, je vous aime beaucoup. Sans mesure. Sans mesure, jusqu'à la lèvre, pasteur. Ma pasteur, la ceci. J'aime papa. Je t'aime, je t'aime, merci, je t'aime. Je t'aime, mon papa. Je vous aime beaucoup. Sans mesure. Merci, papa. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon fils. Carlos. Sans mesure. Je vous aime beaucoup, papa. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Je vois vraiment que j'ai amené cette église à s'aimer. Namoni était le samba oyo. Aide-moi aussi. Sunga ngaipe. A aimer. Ete naeba kolinga. Moi aussi. Ngaipe. Je puisse aimer mes ennemis. Naza na makokia kolinga banguna na ngai. Je suis capable d'aimer ceux qui me font du tort. Nazala na makoki ya kolinga bato bazali ko sala ngai mabe. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Na Seigneur yango na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Je veux aimer. Beka a reçu l'épée de la parole. Alléluia! Amen. Il a reçu cette parole. Et il a travaillé. Il a fait son travail comme un véritable apôtre. Sur les traces de Paul. À un moment, Beka pouvait dire, je ne mourrai pas. Je verrai l'enlèvement. Je serai avec vous. Quand l'enlèvement viendra. L'incrédule ne lit pas la profondeur des Écritures. Il ne voit pas les détails de la vision. Il peut raconter n'importe quoi. Oh, votre pasteur a dit. Oui, notre pasteur a parlé comme Paul. Il a parlé comme Paul. Oh, comment est-ce qu'il a parlé comme Paul?
1 Thessaloniciens 4, 17. Vous verrez que Béka parlait comme Paul. Quand quelqu'un vous dit, oh, mais votre pasteur, mais il avait dit, oui, il a dit ce qu'il a dit. Un véritable serviteur de Dieu, on le voit dans les Écritures. 1 Thessaloniciens 4, 17. Si la technique peut nous afficher ça. Paul, croyez qu'il ne mourra pas. Croyez à ça. C'était quoi? La foi. La foi que Paul avait. N'oublions pas. La vertu du premier âge. C'était la foi. Et Paul a posé la foi. Comme dans l'Ancien Testament. Quand le chef d'œuvre était basculé par terre, Dieu a recommencé le travail. Il a posé le fondement avec Abraham, la foi d'Abraham. C'est cette foi là quand Jésus est venu, il a été frappé à la croix, une épouse est sortie. Le diable est venu pour combattre l'épouse. Jésus a dit, je commence. Il pose le fondement de la foi. Qu'est-ce qui faisait parler Paul? C'était la foi en Jésus-Christ. Et Béka a parlé comme Paul. Je ne mourrai pas. Je verrai l'enlèvement. Il a dit, dernière fois, que vous puissiez voir ma figure. Les bien-aimés qui étaient là ne comprenaient pas. J'ai demandé à l'honorable Claude, tu étais là? Il dit, président, j'étais là. On ne comprenait pas. Dieu avait voilé. Béka a marché sur les traces de Paul, acclamant le Seigneur Jésus. Restez avec ce que moi je dis. C'était un mercredi, hein? C'était un mercredi. Je ne sais pas si la technique est prête. Même si je voyage, restez avec ce que moi je dis. Botikala bobele na oyo ngai na lobi. Héritage. Qu'est-ce que Béka a dit? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Branham, c'est notre prophète. Nous croyons au baptême du nom de Jésus-Christ. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons à la justification, à la sanctification. Nous croyons. C'est ce qu'Abeka a dit. Restons avec ce que Béka a dit. C'est ça notre héritage. Amen. Dans la deuxième partie, c'est ça notre morceau d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Béka nous a laissé comme héritage? Lui a reçu de Branham. Maintenant, il nous laisse quoi? Vous savez, quand papa est parti, des enfants sages, des enfants intelligents, ils vont se mettre. Bon, papa est parti. Qu'est-ce que papa a laissé? Un testament. Prenons le testament. Ouvrons. Le premier point, c'est quoi? Qu'est-ce que papa nous a laissé? Et on commence à compter. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Amen. Amen. Comment devons-nous soigner notre héritage? Comment devons-nous soigner notre maman? Faisons plus que ce que Beka faisait. Pour montrer notre amour. Je sais que nous aimons maman à fond. Mais maintenant, faisons plus. Que notre maman soit en paix. N'allez pas troubler notre maman. Elle fait partie de notre héritage. Qu'est-ce que Beka nous a laissé? Il nous a laissé des enfants. Il nous a laissé Bob. Il fait partie de notre héritage. Beka nous a laissé Moali. Beka nous a laissé Ruth. Et de surcroît, Dieu Beka nous a laissé un pasteur. Parmi ces enfants-là, il y a un pasteur qui est l'un de nos pasteurs associés. Il y a aussi Beki. Comment devons-nous soigner notre héritage? C'est notre héritage. Bob, c'est notre héritage. Les enfants du pasteur, c'est notre héritage. Je vais entendre un amen. Je vais entendre gloire à Dieu. Je vais entendre merci Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Beka nous a laissé des mamans. Ba mama. Voici nos mamans qui sont là. Ba mama na biso bango wana. Elles sont là. Bango wana e. Acclamons le Seigneur Jésus. Beka nous a laissé des papas. Beka tikeli biso ba papa. Ils sont là. Botala ba papa bango wana. Beka nous a laissé des frères. Beka tikeli biso bandeko mibali. Voici mon frère. Botala bandeko na ngai. Beka nous a laissé des sœurs. Beka tikeli biso bandeko basi. Voici nos sœurs. Botala bandeko na biso ya basi. Elles sont là. Bango wana e. Chez les frères. Et pas bandeko mibali. Il y a des grands frères. Bakulutu bazali. Papa Yuma est mon grand frère. Papa Yuma ndekulutu na ngai. Papa Alex est mon grand frère. Papa Alex ndekulutu na ngai. Et Ngondo il est mon petit frère. Ngondo yendele ki na ngai peo. Amen. Amen. C'est ça notre famille. Beka nous a laissé des mamans, des grandes sœurs et des petites sœurs. Et aussi des gens avec lesquels nous avons le même âge. Cléopas est mon petit frère. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans notre héritage? Qu'est-ce que Beka nous a laissé? Frère, comptons ce qui se trouve dans notre héritage. Et que Dieu nous aide à avoir la sagesse de gérer cet héritage-là. Amen. Qu'est-ce que Beka nous a laissé? Beka, il nous a laissé une église. Plein feu. Plein feu. Mets mon âme en feu, Seigneur, mets mon âme en feu, pour l'amour de Jésus, mets mon âme en feu. Beka est une église plein feu. Beka tabernacle, Ezali, église, oh, et tonda moto. Une église unie. Église, oh, et batoba sangana. Rappelons-nous du conseil que le pasteur avait donné l'année passée. Avant son voyage pour les États-Unis, il avait prêché une prédication intitulée « L'amour et la paix ». Je crois que nous pouvons nous souvenir de cela. Et quand il nous a réunis au comité, il a ajouté le respect. Amen. Amen. Sans oublier l'unité. Beka nous a laissé cette église. Barouti Tabernacle. Le quartier général du message du temps de la fin. Moi je crois à ça. Qui croit à ça? La parole. Liloba. Elle est ici. Efandiawa.
Elle est ici. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, la parole est partie. Oh, comme Beka est parti. Il n'y a plus de parole. J'ai vu une photo où la colonne de feu est sortie. Sur la photo de Beka. C'est pour nous dire que l'ange de l'Éternel est avec nous. Amen. Amen. Il nous a laissé cette église. Une église unie. Une église dans la paix. Acclamons le Seigneur Jésus. Et dans cette église, il nous a laissé des offices. Tous les offices. Une église en ordre. Une église où l'ordre est appliqué selon William Marion Branham. Cet office qui fonctionne. Chacun faisant son travail. Sans déranger l'autre. Une maison des dons. Avec des vases que Dieu a placé là-bas. Dieu nous a laissé au travers de Beka des services qui travaillent dans l'église. Le secrétariat, la conciergerie et tous les services de bande et tout. C'est ce que Beka nous a laissé. Amen. Amen. Et il a dit que l'amour, la paix, le respect et l'unité soient dans chaque office, soit dans chaque service. Beka nous a aussi laissé des instruments d'évangélisation. Sera le ministère que Dieu lui a donné. Il nous a laissé la VAP. La voix de l'aigle publication. Il nous a laissé la RTV. Trompette de l'évangélisation. Amen. Amen. C'est ça l'héritage que Beka nous a laissé. Amen. Beka nous a laissé aussi l'évêché. Des églises sœurs. Des églises qui sont rattachées à son ministère. L'évêché, c'est ici. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas que l'évêché est déplacé. Ne bougez pas. Ne vous inquiétez de rien. L'évêché est ici. La colonne de feu est ici. Ne bougez pas. Les pasteurs qui dirigent ces églises, c'est juste une petite exhortation. Ne dites pas, comme Beka est parti, moi je me retire. On va te trouver suspect. Moi, j'ai eu ma part, c'est fini. Faites attention. Vous risquez de récolter le vent. Amen. Beka nous a laissé dans ces églises-là le troupeau de Dieu. Le troupeau de Dieu. Dans ce troupeau-là, il y a des brebis, il y a des agneaux. C'est comme Pierre a dit à Christ. Jésus a dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, je t'aime. Paix mes agneaux. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes les brebis du grand pasteur des brebis. Le grand pasteur des brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos cœurs. J'ai dit à chacun de vous,
à l'internet, vous êtes là du matin au soir à injurier des hommes de Dieu. Viens arranger. Objectif, d'amener l'homme de Dieu à tomber afin qu'on puisse brandir des sextés. Même de Mireille, de Jérusalem. On sait où tu as grandi et on sait. Je vois.